Dans quelques instants, tu sauras comment j'ai créé ce logo-là en seulement quelques clics et de manière complètement gratuite. Je vais te montrer comment tu peux faire pareil. Évidemment, tu vas pas devoir utiliser exactement le même logo que moi. Tu vas pouvoir choisir parmi énormément de modèles comme celui-ci ou celui-là. Et bien plus encore. Déjà, il faut comprendre qu'un logo, c'est extrêmement important pour ta marque. C'est comme la première poignée de main quand tu fais une affaire. C'est la première impression que les gens auront de ta marque et de ton activité. Donc, prends soin de créer quelque chose qui te reflète et qui te plaise. Alors, le site qu'on va utiliser pour créer notre logo s'appelle tout simplement logo.com. Une fois que tu es sur le site, tu vas pouvoir changer la langue par ici. Tu peux choisir français. Donc, on va commencer par te demander le nom de ton entreprise. On va dire, par exemple, mon beau resto. Puis, tu viens cliquer sur créer un logo. Il est possible que la langue du site change automatiquement en anglais, mais c'est pas très important. Si tu suis les étapes que je te donne, il n'y aura pas de problème. Donc là, on va te demander ton slogan. Tu peux soit décider d'en choisir un, mais comme tu vois, c'est optionnel, c'est facultatif. Donc tu peux soit appuyer sur passer ou alors tu saisis ton logo. Le meilleur pour vous. Pourquoi pas? Puis, tu appuies sur Next. Ensuite, tu vas choisir dans quelle industrie tu te trouves, parce qu'il va ensuite te proposer des thèmes en fonction de l'activité. Donc, si ça a changé en anglais, en principe, tu devrais pouvoir repasser en français. Bon, on voit en l'occurrence que la liste n'a pas été actualisée. C'est pas très grave. En principe, tu devrais pouvoir t'y retrouver et si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Ici, on va se trouver dans service de restauration. Ok. Là, tu vas choisir parmi plusieurs thèmes de couleurs qui te plaisent. Et tu verras qu'il va te proposer des résultats en fonction de ça. Donc, vu que c'est dans la gastronomie, je vais choisir des couleurs un peu plus chaudes, comme le jaune par exemple, ou pourquoi pas le marron. Je clique sur suivant. Là, tu choisis un style qui te plaît, ou plusieurs d'ailleurs. Soit tu veux du moderne, du classique, du gras. Donc je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà, je vais prendre ces trois-là. Suivant. Alors là, on te demande, est-ce que tu veux avec des icônes ou un logo sans icônes? Donc ça pourrait, voici les exemples à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je veux dire, je veux bien un petit logo. Enfin, je veux bien une petite icône plutôt. Ensuite, il va te demander de choisir des mots-clés pour essayer de trouver des modèles qui te correspondent. Là, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Tu peux regarder ce qu'il te propose par là. Mais là, je vais passer à l'étape suivante. Et on arrive déjà aux propositions qu'il me fait. Donc maintenant, tu vas pouvoir tout simplement regarder un petit peu les propositions. Tu vois qu'il y a des trucs vraiment en tout genre, assez sympas, qui respectent la palette de couleurs que j'ai indiquée. Tu vas pouvoir ici aussi affiner la recherche en fonction de ce que tu as saisi tout à l'heure, donc le nom de mon site, enfin de mon enseigne, le slogan qui est affiché donc par là, les mots-clés que j'avais omis pour l'instant, donc je vais en retirer et je vais ajouter par exemple restaurant, ça je peux retirer, hop, j'appuie sur entrée et tu appuies sur rafraîchir. Et là, on voit maintenant que c'est un petit peu plus affiné, que c'est plus en lien avec la restauration, parce que j'avais mis que restauration, donc ça peut être boulangerie, ça peut être plein de choses. Donc si je précise restaurant, voilà, on va prendre celui-ci par exemple, tu peux cliquer sur personnaliser. Et maintenant, tu vois sur la gauche ici, tout un tas d'icônes par lesquelles tu vas être guidé. Donc tu peux choisir la couleur de ta police. Tu peux prendre un truc un peu plus sombre, un peu plus clair. Je te laisse regarder. Tu peux regarder aussi parmi le style de logo, enfin les contrastes et les différentes variations. Ensuite, tu cliques sur suivant. Tu vois qu'après, il te mène sur cette partie-là. Là, tu peux choisir d'autres variations, comme ceci par exemple. Mais je mets quand même bien celui-là. Suivant. Tu peux changer la police par là. Tu peux la mettre en gras, par exemple.
suivant. Le slogan, tu peux le réviser par ici. Et quand tu as fini, tu cliques sur Finish and Save. À partir de là, on va te demander tout simplement une adresse email à laquelle te sera envoyé un lien vers ce logo. Tu choisis ton mot de passe et tu cliques sur Continuer. Voilà, tout est prêt. Maintenant, tu vas pouvoir cliquer sur Download your logo. Et là, tu verras qu'un certain nombre de fichiers te sont mis à disposition. Donc concrètement, ce qui t'intéresse toi, ça va être de télécharger le premier ici, ça va être un pack de logos avec différentes versions de couleurs. Mais tu vas pouvoir aussi exporter par exemple les codes couleurs ou des références quant à la police qui a été utilisée. Ça c'est super important si tu veux donner ces informations à un graphiste, car c'est les informations dont il a besoin, la couleur exacte, etc. Donc tu vas télécharger ce pack de logos. Et dans le fichier que tu auras téléchargé, tu pourras donc retrouver ces trois sous-dossiers. Ce sera tout simplement des formats différents. Moi, ce que je te conseille, c'est d'utiliser SVG, car c'est ce qu'on appelle du vectoriel, ce qui veut dire concrètement que tu vas pouvoir agrandir ces logos à l'infini en termes de taille. Et voilà, tu as maintenant créé un logo en quelques clics et de manière complètement gratuite. Mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, ça m'encouragera énormément. Dis-moi en commentaire si tu as des questions, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Fred.